Salut à tous, c'est Rosgrim, bien sûr, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fallen Kingdoms avec Dorthos et Léo Zangdar. Comment allez-vous? Ça va. Allez, c'est parti. Xef était pas en survival. c'est bon, c'est pas grave. PG, on enchaîne. Ok, c'est pas grave, on enchaîne. Allez, donc on est chaud, hein? Ouais. Alors on les gars, cette fois-ci, ça serait cool d'essayer de ramener le bloc, enfin le underblock, là, machin chose, pour faire le dragon. Eh bah, vas-y. Ouais. Mais non, mais on va y aller. Tous ensemble. Ou alors, on fait ce qu'on a dit. L'attaque sournoise dans le dos. Ouais. Est-ce qu'on est sûr? Moi, je suis pour. J'aime bien l'attaque sournoise dans le dos, dans le principe. Est-ce qu'on est des sournois? Oui. Nous l'envolons. On est des sournois? Non. Smergol, non. Moi, je suis sournois. Le sournois. Mais qu'était-il en train de faire, monsieur Frodon? Ok, j'ai récupéré pour deux creepers. Ok. J'arrête de dire n'importe quoi, j'ai compris. Non, Léo, arrête pas de dire n'importe quoi! Nous sommes deux dans ma tête. Non, Léo, je ne te laisserai pas. Gollum, ta gueule, j'ai dit. Non, je veux pas. Tout est très spécial pour cet épisode de SK. Oui, alors je vous préviens. Léo est en forme. Ça va être les épisodes craquage total, mais genre à un point, vous avez même pas idée. Je sais que normalement en fin de série on est censé être concentré, mais désolé, vous pouvez pas me demander de concentrer là, ça va être. Non, bon, on va faire ce qu'on peut en tout cas. Voilà, exactement, on va se contenter de ce qu'on peut et puis voilà, ça sera très bien. Bon, alors j'arrive. Ouais, moi je remonte le courant d'eau, voilà. Moi je suis en tu train de. Le courant. Ouais, je remonte le courant là. Alors à chaque fois que vous ferez des phrases qui me font penser à quelque chose, j'écrirai. Voilà. D'accord. Voilà, désolé. Autour, c'est cadeau, je sais pas pourquoi. Le courant d'eau, je remonte le courant. Voilà. Est-ce que quelqu'un a de la bouffe? Bah, moi je suis en train de faire cuire des patates. Parce que j'aimerais. Allez, tu es où? Dans la salle des coffres? Non, je suis dans la base avec Léo. D'accord. La loutre que Léo sommet d'amis. Bon, allez, moi je vais déposer le bloc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller no stuff. Du coup, vous allez récupérer mon stuff. Bah attends, t'es où monsieur Grimm? Attends, en fait je suis en train de remonter là. Ah d'accord. Je vais y aller no stuff. J'aimerais bien avoir juste un petit peu de bouffe, s'il me reste un pain. Voilà. Tu vas récupérer ça. Je te squatte le stuff en attendant. Voilà. Moi je vais aller déposer l'under machin et machin de choses, chouette. Vas-y. Et puis c'est bon. Ok. Je leur dis. Je vais rester dans les parages en sneak pour vérifier ce qu'ils font. Et si je vois qu'ils y vont à 3, je vous le dis, je reviens en sneak et tu me rends mon stuff et on va les assaut. Ça marche. Technique de fourbe, j'aime ça. Pendant ce temps-là, on va peut-être essayer de choper des poudres de creeper. J'en ai qu'une sur moi, j'en ai mis quelques-unes dans le coffre. Parce que bon, assaut sans TNT, c'est un petit peu compliqué quand même. Merde, manque un truc, mais je sais pas quoi. J'arrive pas à savoir ce que j'ai loupé dans la phrase de Pocahontas, mais je suis sûr que j'ai loupé un truc. C'est entends-tu le chant du loup qui mâche un truc? Mais je sais plus. C'est pas grave. Bon, bref, excusez-moi. Go! Du loup qui meurt d'amour. C'est ça, non? Ouais. Au petit jour. Ah, ok. Grim, il connaît toutes les chansons Disney donc. Ouais, bah oui. Pocahontas, je suis pas balèze. Hein. Moi, c'est plutôt Hercule. Ah, vas-y. Hercule. SCG en Hercule dans la tête. Non, stop, j'arrête. Nous sommes 5 muses, déesse des arts et proclamatrice de héros. Héros comme Hercule. Attends, Non, ça le fait pas. Si, tu le fais bien en plus. Avec un super H majuscule. J'ai envie de jouer un air de cornemuse. C'est quoi, c'est Hercule dans le temps? Hercule. Non, dans le vent. C'est géant, Hercule dans le vent. D'allégresse on chante qu'il est le plus grand. on vous met l'ambiance dans ces épisodes. Ouais, t'as vu. C'est ça, enfin Grimm surtout, moi je. Épisode risque copyright. Voilà. Non, bon, il faudrait que je chante aussi bien. Franchement, si je chante tellement bien. Si interprétation d'Hercule, je serais flatté. Oh. Moi c'est pas vrai. Si YouTube me dit que je chante Hercule et qu'il identifie la voix. Moi je surveille quand même parce que les connaissants ils seraient capables de revenir aussi après. C'est pas impossible, je pense surtout qu'il va y en avoir qu'un qui va aller. Je vais devoir l'annoncer que j'ai mis le portail, il me semble. Parce que ça se trouve, peut-être que de leur côté ils l'ont déjà posé. Putain, il pleut. C'est pas impossible, j'avais pas pensé ça. Ça se trouve, ils l'ont déjà posé de leur côté. Putain, Léo, t'as chanté il pleut maintenant. Oh non, c'est moi du coup. Ah, ouais, tous les deux. Allez, on va sortir les gars. C'est le combo.
On reste concentré un petit peu. Ah, on est concentré, on surveille. Allez, je suis remonté à la cascade. On est des sentinelles, nous. Et là, je me fais tuer, bim. Vous me dites quand on y va, les gars. C'est attendez, vrai. Attendez, j'ai pas encore posé le bloc, il faut encore que je vérifie s'ils viennent à 3 ou s'ils viennent tout seuls. Parce que de toute façon, quand il va monter la cascade, il sera obligé de pas être en sneak, donc je vais forcément le voir. Après, c'est trop, ils vont pas y aller au dragon. Bah, il me semble que si, je voulais faire le dragon. Ouais, mais on le connaît, il serait capable de changer d'avis au dernier moment. Moi, je sais pas. Mais c'est vrai que pour le prestige. Moi perso, le dragon, je m'en fous un petit peu. Bah, combien de TNT là en fait? Bah, c'est surtout qu'ils savent qu'on est affaibli déjà, donc si on va chez le dragon et qu'on part tous les trois, on se fait niquer. Parce qu'on a un coffre bonus, mais imagine le coffre bonus, il y a des trucs sympas dedans. Bah oui, c'est ça le problème. Mais imagine, on se fait prendre la base pendant qu'on essaie de faire le dragon. Comme ça, de toute façon, c'est notre stratégie. Sur ce point-là, il a raison. Ils peuvent pas y penser. Je vais aller regarder le nombre de TNT qu'on a. Ouais, faut voir parce que si on peut pas assaut. TNT. Ah, mais ça, ouais, c'est ça le problème. Après, leur muraille a pas l'air ouf, hein, mais je pense que leur salle des coffres doit être vraiment bien. Parce que je vois mal Sif avoir code un message pour ta défaite. Ok. System out print. Le problème c'est qu'on a pas de TNT en fait. Sérieux? Non, on a plus de TNT, on a 3 gunpowder dans le coffre, c'est tout. Bah attends, mais on en avait pas fait? Bah si, mais on a assaut, je te rappelle. Oh, on a plus de TNT, sérieux les gars? Ah non, enfin, mais on a des poudres, on a des poudres, c'est déjà pas mal. On a 3 poudres, si t'en as 5 une... par TNT. Sachant que pour assaut, il faudrait au moins 3 ou 4 TNT. Puis si leur salle des coffres est bien planquée, il va nous en falloir d'autres aussi. Parce qu'à tous les coups, c'est encore une salle des coffres à piston avec minecart à pousser ou ce genre de truc. Ok, bon, j'ai posé le bloc. Je vais me barrer. Si je peux. De toute façon, il va falloir attendre la nuit pour aller farmer les creepers. Parce que les grottes. Ça craint un peu. Go back. Apparemment, fallait pas que tu le dises. Tant pis, ça te dit. Bah marque lui stratégie peut-être. Ou un truc de genre là. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vais mettre un petit peu. Quoique je sais pas en fait. Est-ce que j'attends, est-ce que j'attends pas? Un petit peu. Je sais pas du tout. À la limite tu peux aller voir à leur base. Je sais pas du tout ce que je fais. Dortos, on fait quoi nous du coup? Parce que c'est vrai que je parle pas, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de rien faire. Bah, je sais pas trop. Soit on va dans les mines pour essayer de choper des creepers, soit on attend qu'il fasse nuit. Bah, moi je peux couvrir honnêtement. De la TNT parce qu'en fait, si on attend. Ouais, il faut aller farmer. Bah, tu veux pas descendre un peu en mine? Ou alors j'y vais, c'est toi qui vois, hein. Mais c'est comme tu veux parce que le truc c'est qu'il faut qu'on ait un petit peu plus de TNT. Bah, en mine, je trouve que tu te démerdes mieux. Ok, bon bah j'y vais alors. Parce que, ouais, si il y a un seau d'eau dans un des deux fours. Pendant qu'on attend, ils sont peut-être en train de se refaire des creepers, enfin des poudres. Bah oui, je pense que alors, eux aussi ils doivent pas forcément être full TNT. On a bien rebouché au niveau de. Je descends de la muraille et je vais regarder. De toute façon, j'ai toutes les pioches qu'il me faut. Ce serait bien de reboucher, ouais. Aïe, je me suis fait mal. Bon, j'ai du baked potato. Faut pas que je meure par contre, parce que là il y aura pas Grim pour attraper mes bêtises. Ouais, donc du coup je suis parti, hein, je vais pas rester. Ça roule, bah je vais en grotte, hein, farmer le creeper. Je m'en fous un peu du fer, c'est vraiment juste farmer le creeper quoi. Oui, c'est creeper qu'il nous faut là. Okay. Creeperland. Il faut du spy là. Il faut voir ce qu'ils font. J'ai pas de pioche, fais chier. Je sais pas du tout notre base, je sais plus du tout. Bah, promène-toi et tu finiras bien par y arriver. Ouais, ah, je fais n'importe quoi, j'ai encore mourir. Oups, j'ai entendu une vache, elle m'a fait peur. Une vache? Pourquoi une vache? C'était le vac. Il se cachait, il voulait venir. Oh, mais personne m'a pris. Mais. Pris? Comment ça pris? Oh là là, oh. Bref, attention. Ah oui, d'accord, tout va bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, tu l'as pas pensé en tout cas, c'est bien. Donc, l'a pas fait dire par contre. Alors, creeper.
Aïe. Ah là, j'ai repris de la cobblestone. J'arrive, je me prends un coup de... une flèche dans le genou. Normal. Tout va bien. Là, ils font mal, c'est con. Je sais pas quoi faire, alors attends, peut-être qu'il va... De toute façon... Je sais plus du tout. Où est-ce que je suis là? Ah, c'est bon, je suis notre base. Justement, ce que j'allais dire, je viens de voir un pseudo, Grim, est-ce que c'est toi? C'est moi. Ça m'a un petit peu inquiété, je t'avoue. Les pseudos sont colorés de toute façon, rassurez-moi. Enfin, je veux dire, aux couleurs de l'équipe, je me rappelle plus en fait. Oui, oui, mais à travers les murs, tu fais pas forcément attention. Ouais, je suis d'accord. Alors, je veux bien récupérer mon stuff d'Orto, s'il te plaît. Aïe! Pardon, c'est pas vous. Y'a d'autres patates ou pas? Ouais, ouais. Tiens. Merci. Oula! Putain, là, je... les grottes, j'ai le droit d'éclair, ça fait bizarre. Il y avait Monarque aussi, s'il te plaît. Ah ouais, excuse-moi. Vous avez eu des éclairs? Non, oui. Ouh la vache! Attends, Grim, je te donne tout, je vais aller reboucher les trous de la muraille. D'accord. Ouais, c'est peut-être pas une, trop une bonne idée, je voulais partir du coup. Bah t'inquiète pas, ça va pas durer très longtemps, il y a juste quelques blocs à poser. Ok. Ça peut être lié à, une, à des choses, des éclairs ou pas du tout? Ça peut faire des creepers chargés, c'est tout. Quoique, on est en 6, je sais pas si ça va le faire, si. Creeper chargé, ça fait un moment que ça existe, non? Ah non, on est en 7, je te dis. Non, c'est bon. Alors, du coup, je vise dans le truc, voilà. Bon, merci la donne hein, qui m'empêche de poser les blocs. Ah oui, t'es pas dans la base. Mm-hmm. Non, mais ça m'arrange. C'est ce qui me permet de reboucher les trous tranquillement. Comme ça, je sais quand ils sont posés. Ça, c'est un temps apocalyptique. On sent qu'il va y avoir quelque chose de... Ouais, je suis assez d'accord. En plus, surtout quand t'entends des éclairs dans les grottes, tu te dis que... Qu'il y a quelque chose de pas sain qui... Voilà, il y a un truc pas normal, quoi. Ça sent la brioche mouillée, faites attention. Il faut que je spy. Faut partir d'ici. Ah, mais là, si je prends tout ça sur moi, je... Bah, Grim, je vais retourner à la base, donc si tu veux... Un cripouille, bonjour. J'ai rebouché. Alors, j'ai eu quoi? Une poudre, ok. Je vais juste passer par l'arbre et j'arrive. C'est pas la folie hein, les crépouilles, y'en a pas beaucoup. La pluie, ça aide vraiment pas à regarder ce qu'il y a autour. Vous en avez encore, vous, de la pluie? Ah oui. Ça s'est arrêté les orages en tout cas. Ah non, autant pour moi. J'ai eu une fausse joie. Alors, tu avais. Je te file la moitié des patates du coup. Ça, tu m'as donné quoi d'autre? Bah. Après, c'est que des conneries quoi. Ok, tiens ça. Ah non, ça c'est pour moi. Bah ouais, c'est... en fait, il y a rien de nécessaire en fait. Tu m'as rien filé de nécessaire. Ah non, je t'ai juste filé pour pas perdre les items. Ah ok. Bon, c'est bon alors. Donc tu vas aller faire quoi? Tu vas aller espionner? Ouais, je vais aller espionner. Tu devrais peut-être laisser ton armure ici alors. Bah, oh, en fait, c'est pas si grave. Jamais, je me fais taper, au moins je vais. T'es full fer, non? Ouais, je suis full fer, mais bon. En fait, c'est bon. Le leurre qui me reste. C'est des fers enchantés. Comme ça change rien, mais ouais, non, t'inquiète, franchement, c'est pas grave. Si t'es full fer, c'est pas la mort. Attends, code 2. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, Grim? What? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Portail s'ouvre pas? What? Ah, GG. Je sais où il est. Ouais, bah. T'as posé le portail? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas vu que c'était pas ouvert? J'ai... Non. J'ai même pas fait gaffe. C'est quoi que ça révèle un peu le fait qu'on en a rien à faire? Que nous on a pas du tout besoin. Ellipse, c'est temps que je répare. Je vais libre, oh. Bon bah, je me mets en AFK puis je couperai mon montage. Ok, bon, Ellipse, à tout à l'heure. Bon bah, Ellipse. Et re les amis, bon voilà, on se retrouve après une petite ellipse. Stéphano, il y a un petit souci pour voir le portail de l'Inde, hein, donc. Alors on va reprendre, c'est parti. L'avantage, ça veut dire qu'on sait où est-ce qu'ils sont maintenant. Ouais, voilà, je sais que Stéphano est au portail de l'Inde, donc. Donc, c'est le moment d'aller spy. Alors, oui, Oui. Ah merde. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tué. Qu'est-ce que t'as fait? Wouah, trop bien. Oh, Zephyr l'a fait tout à l'heure. C'est Léo, à son tour. Voilà, ça fait pas du tout de dégâts un arc qui est pas enchanté. Nul. C'est vrai en plus. Oh, un mini zombie. Bon, j'ai eu un creep pour le moment. C'est chaud quand même. Ah, un deuxième. Nice. Attends, enfin, quand j'étais tout à l'heure, il y en avait plein. Oui, mais ça, c'est... j'ai eu plein de mobs, hein, mais pas beaucoup de creeps. C'est la chance. En fait, les creeps ils sont toujours là quand on a pas besoin.
C'est ça. C'est ouf, hein. Non, de toute façon, on n'a pas du tout de TNT, donc... On a toujours besoin, mais... On peut même pas assaut, quoi. En gros, on est obligé de faire le portail du... On est obligé de faire l'Ender Dragon. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fera? Parce que ça nous fera pas particulièrement gagner de la TNT, enfin... Bah, si ça se trouve, dans le coffre, il y en a un. C'est vrai. On peut aussi faire nos vicieux et attendre que Stefano ressorte du portail. On le défonce, on récupère l'œuf, et voilà. Ouais, enfin l'œuf ça sert à rien. Ouais, l'œuf ça c'est pas trop utile en fait. Hein. C'est, bah, c'est poser l'œuf qu'il faut. Ou alors, pour avoir le coffre. Attends, mais non, mais de toute façon, quand il va sortir, il va atterrir où? Il va atterrir à son spawn. Je sais pas. Si, quand tu sors du portail, si t'as vaincu le dragon, tu atterris à ton lit en fait. Quand tu sors avec le portail, tu reviens à ton spawn. Ouais, ouais, c'est ça. Donc même si on attend, on pourra pas attendre qu'il sorte, il va revenir à sa base en fait. Mais on pourra attendre devant le portail, la zone du coffre bonus. Et le coffre bonus, il est où? Bah, il était en dessous du là où on avait été débarré. Ah ouais? Bah oui, on l'avait dit au début. Je sais plus, moi. Ok, j'avais pas compris ça, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah bah, il va être tout seul à récupérer le coffre bonus. Par contre, il va y aller stuff, c'est obligé. Mais du coup... Bah, oui, ce serait plus intelligent pour lui, je pense. Il va aller bien stuff. Ok, alors ce qu'on... Quoique... Est-ce qu'on prend le risque d'aller les... Vous avez besoin de moi ou pas? Bah là, moi je suis à la base, je suis en train d'essayer de trouver du creeper, mais y'a personne. Y'a que des zombies. C'est ouf, hein. Mais je sais, moi j'en ai eu, j'ai deux, là j'ai trois poudres. Alors que je cherche toute la carte. Avec trois poudres, on a de quoi faire au moins une TNT déjà. Ok, je vois Xef. Il est dans sa base. Ils sont pas partis tous ensemble dans le dragon. Attends, il croit que. Non, je vois pas Bri. Bon, ils sont parti... à... Je crois qu'il est parti avec Bri. Soit il est parti avec Bri, soit Bri dans les mines. En train de récupérer du creeper. Est-ce que ça vous dirait qu'on attende du coup... Tiens, ils sont en train de faire une troisième épaisseur à leur muraille. Oh merde. De toute façon, là, on peut pas assaut. On n'a pas de TNT. Ouais, bah je sais, je farm. Bon, je trouve pas de creeper. Écoutez, on va aller attendre que Sif, du coup... Toi, tu peux aller attendre, mais je vais quand même essayer de trouver des... Le truc, c'est que là, il faut que je bouge en sneak, en fait. Voilà. Je vais quand même essayer de trouver du creeper pour... faire de la TNT, parce que s'il y a moyen. Mm. Oh, là, quand il y avait de l'orage, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on ait un creeper chargé à côté de leur base. Ah, j'avoue. Ça fait quoi ça... Est-ce que ça explose plus fort avec l'orage ou pas du tout? S'il est chargé, ouais, il fait plus de dégâts, puis il fait une plus grande AOE, je crois. Ou sinon, trouver des têtes de Wither pour faire spawner un Wither près de leur base. Je crois que c'est un peu notre dernière solution. Comment on fait pour les têtes de Wither? C'est... Ah, mais non, mais c'est dans le Nether. Et c'est la mort à looter. C'est-à-dire que le mec qui arrive à sortir le Wither en... Puis en plus, faut pas parce qu'il faut poser des blocs, donc... En fait, il faut le foutre dans ta base et l'attirer dans la... Oh, le plan. Le plan machiavélique, quoi. Il sait où je suis. T'as vu? Je vois pas Bri remonter. Ils sont forcément partis à deux dans l'Inde. Ah, j'ai trouvé un diamant. On va pouvoir faire une nouvelle épée. Bah, ça leur permettrait de... Il y a Bri aussi qui remonte. Il était dans les grottes. Ok, donc s'il fait partie tout seul, en fait. Ouais, ils se doutaient qu'on allait vouloir attaquer pendant qu'ils étaient dans le dragon. On va attendre que Sif sorte. Hein. Vous pouvez aller le chercher à sa sortie. Hein. On a bien un diamant, rassurez-moi. Oui. Moi, je vais pouvoir faire une autre épée en diams. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Et bah, Grim, je vais te rejoindre, je pense. Puis on va aller attendre à la sortie. Ouais. Par contre, Léo, il faudrait que tu restes dans la base pour nous prévenir. Donc, je rentre. Ouais, fais-nous du stuff, consolide la muraille, fais tout ce que tu peux. Un Enderman et un Creeper. Bon, attendez, je ferme ça et j'arrive. Fais tout ce que tu peux pour consolider la muraille et faire du stuff au cas où on meurt, en fait. À deux Creepers, même. Au pire, est-ce si que... ça veut dire faire plus de four en haut, faisant. Le soleil sur le point de se lever. Bon, bah, de toute façon, du coup, je vais faire la fin de l'épisode. De toute façon, là, on se doute que c'est un petit peu mal barré. Ouais, de toute façon, tant qu'il n'a pas l'achievement, c'est qu'il n'a pas fini. C'est bon, encore le temps de sortir. J'ai eu une Underpearl, je sais pas si on a le droit d'en faire quelque chose, mais j'en ai une. On n'a pas le droit d'attaquer avec. D'accord. Ok, bon, on a le droit de s'échapper avec. Oui. Oui. Les amis, du coup, on va se retrouver non pas longtemps pour un prochain épisode de Fallen Kingdoms. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde.